name is Terrell Gomez. I'm from Los Angeles, California. My family is from Trinidad, so I have Trinidad descent. And this is my third time being in France, so I'm really excited. I like France a lot, so I'm happy to be back. My first year, I played half the season in Dijon, backup role. And then my last year, I played in Saint-Quentin. That was a successful year, and now I'm back here, so I'm really excited. Terrell Gomez, c'est un garçon qui connaît déjà bien la France, qui a joué déjà dans deux clubs, c'est-à-dire à Dijon en Betclic et à Saint-Quentin, évidemment l'année dernière, qui a fait partie de cette équipe qui est montée en Betclic. C'est un joueur de petite taille, comme tout le monde le sait, avec un danger sur un tir à trois points qui est quand même impressionnante. C'est vraiment sa qualité première. Après, le garçon, il connaît bien le basket, qui a un bon QI basket, qui sait faire jouer l'équipe. Le pur meneur. Mais c'est, on appelle des fois des meneurs passeurs, d'autres des meneurs shooters. Lui, c'est plus un meneur shooter. Je pense que sa complémentarité avec Darius, Stéphane et les autres va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc, on est très, très content de l'accueillir et j'espère qu'il sera qualifié dès le prochain match. My number one attribute that I bring as a player is shot making. I can make shots from all over the floor, which gives other players space. So it'll give a guy like Steph and a guy like Darius more room to attack the basket, more room to, you know, be creative, and I can space. And I'm also a floor general. You know, I can get everybody in their spots, get everybody in place. And then I'm always looking to drive and kick. So. I received a ton of information today. I think I'll be fine. Well, one more day of practice. I'm gonna watch some film, get the plays down. But really, you know, just gotta get myself in rhythm just defensively. And just main thing, just play hard, and I think everything will fall into place. So I got a couple games to get myself ready before playoffs. Ouais, attention à Lille, c'est une équipe qui joue bien au basket et qui fait partie des deux meilleures défenses du championnat, c'est-à-dire qu'ils sont capables de ne pas encaisser beaucoup de points, il va falloir qu'on soit très précis, il va falloir qu'on soit discipliné, et voilà, ils ont des joueurs qui font une très très bonne saison. Alors, ils ont deux meneurs de poche aussi, un qui va très très vite et un autre qui a une grosse adresse. Et ils ont un gros créateur qui est Soukaobu. Lui, c'est vraiment le créateur par excellence et un peu le chef d'orchestre de cette équipe. Et à côté, des joueurs de rôle qui font bien leur boulot. C'est une équipe qui est bien organisée, donc je le répète, ce qu'on n'a pas très bien fait ces derniers matchs, il va falloir bien le faire là, c'est-à-dire pas faire déjouer cette équipe et bien défendre. Yeah, I remember Leo. I remember the Spanish guy they have. He's a really good passer. I know preparing for him, you got to be ready for his crazy passes. I really respect this league. I think that this league really don't get enough credit. You know, just because it's second league, people kind of like discredit it. But, you know, it's not super tactical, but the guys play very, very hard here. So I really respect this league. Évidemment que j'attends une réaction. Alors, on a monté le son un peu cette semaine, hein, et on leur a bien expliqué lundi, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, surtout à cette période de l'année. Encaisser 100 points à domicile, ou presque 100 points à domicile, contre une équipe qui logiquement on aurait dû dominer, c'est pas possible. Donc cette équipe de Lille, attention, on a une revanche sur nous, avant tout, on a une revanche pour le club, et on a une revanche vis-à-vis du public. Voilà, le public, il a répondu présent, on n'a jamais réussi à allumer vraiment à la flamme parce qu'on était derrière, c'est à nous d'allumer ce public qui puisse et d'une prendre du plaisir et le récompenser parce qu'on ne les a pas récompensés cette dernière semaine. Allez, on y va. Ensemble.